la perturber, c'est le fait qu'elle est plus dans son environnement. Les repères. Donc ça va tuer, hein, ça change de ça. Ah. Sinon, moi, la téléphone, on ne sait plus quoi, on fait une heure. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Magnifique, je vous remercie tous pour votre inscription. Voilà alors l'aperçu du programme de la journée. Nous allons récupérer un guide à l'Office du Tourisme. Si ce n'est pas encore fait, je vous recommanderais de bien vouloir vous attacher. Parce que même si nous sommes en zone d'accès, ça correspond à toute cette zone géographique qui se situe légèrement au immobilier. 5 dernières années, paradoxalement, c'est un projet qui n'a aucun lien avec l'aéronautique. Ça s'appelle Aéroville. Et Aéroville, c'est un centre commercial. Ce centre commercial regroupe à l'heure actuelle 200 boutiques, 30 restaurants, 12 salles de cinéma, tout ça au pied des pistes. Priorité aux vols passagers. Donc cela implique que l'aéroport de Roissy soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 300 soins de déchargement de marchandises. Bien, observez bien cette organisation, puisque la quasi-totalité des bâtiments de cette zone s'articule selon le même principe. Prendrons la prochaine. La société qui gère l'aéroport est l'une des plus belles illustrations, se trouve à l'avant-droite du car. Parking à étage de 500 places, à côté duquel on a positionné l'une des aérogares de fret les plus modernes et les plus fonctionnelles du monde. Des camions qui vont arriver, vous allez le constater dans quelques instants, des quatre coins de l'air austral, on a des équipes de maintenance au sol. Il y a l'Airbus A350, bar habituel, mais là il n'a pas encore été monté au bloc, comme on dit dans le jargon. D'accord ? Je prends exemple sur la compagnie de l'Afrique du Sud, South African, qui est au parc. C'est le temps moyen, d'accord ? Ce temps moyen va tomber à 1h30 d'escale pour un vol moyen courrier. Par définition, ça doit aller. Contrefaçon, qu'est-ce qu'il doit pas voir ? Il y a des demandes. Et là aussi, c'est un indicateur sur le niveau de reprise de l'activité, puisque le même parking, au mois de janvier l'année dernière, était moitié moins plein. Il y avait moitié moins de voitures. Sur votre gauche, au parking, vous avez un petit Airbus A319 d'Air France. Bâtiment d'Aéroville. On voit aussi un bâtiment avec les logos de la Poste. Edelweiss, compagnie charter autrichienne, est une extension du hall d'embarquement du terminal 2A. Vous avez le Kenya également. Le Kenya doit avoir un Boeing 787 aussi, lui.
Vous avez Air France, bien évidemment. Là, on est dans une... Et vous avez les Russes qui sont en train de se poser avec un Airbus A321. Voilà, rassurez-vous, des avions, on va en voir encore. Un étage pour les arrivées. Ce qui permet à ceux qui partent contents de ne jamais croiser ceux qui rentrent. Sur votre droite, toujours, vous avez deux Boeing 777 de Saudi Arabian, l'Arabie Saoudite. Puisque nous sommes arrivés dans les infrastructures les plus modernes, nous sommes aussi arrivés dans les infrastructures les plus grandes, celle d'Air France. Première façade, celle qui se trouve à l'avant-droite du car, moyen courrier. Vous avez un Airbus A320 d'Air France qui va être repoussé. L'autre, c'est la préfecture qui va, entre autres, délivrer les badges qui permettent au personnel d'accéder aux zones réservées de l'aéroport. D'accord ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Aéroport de Paris avait du mal même à accéder sur ses propres zones réservées. Bah oui, parce que c'est pas eux qui décident, c'est la préfecture. D'accord ? 80 millions de passagers. On est à l'heure actuelle à 65 millions. Il y a de la marge. Il y a de la marge, mais il y a un avantage non négligeable, c'est de posséder du terrain inadapté. Le Kenya, l'école des passagers moins stressés que les autres. La tour de contrôle numéro 2, on la retrouve à gauche. L'hôtel Sheraton, nous. Et de part et d'autre, d'immenses... Il y a un Boeing 777 là-bas qui est entouré par les pompiers, ça sent pas bon. Et vous avez un Airbus A330 de la compagnie canadienne Air Transat. Sur votre gauche, le futur siège social de Paris Aéroport, en fin de construction. Et en exposition, toujours sur votre gauche. Ah bah il fait petit par rapport aux avions d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Le numéro 1 est aussi sur votre gauche. Voilà la tour qui est utilisée. Pour là, vous l'avez en visuel. Ceux qui ont les appareils photo, n'hésitez pas. Et d'ailleurs... Sachez que c'est sur la compagnie Singapore Airlines que vous aurez le meilleur aménagement intérieur en termes de confort pour les A380. Celui d'Air France qu'on aperçoit au fond là-bas, il est configuré à 536 places. Celui de Singapour au premier plan est configuré à 390 places. Ouais. Alors Air Canada n'a pas encore d'A380, mais Air Canada est réputé aussi pour son confort à bord. Mais vous imaginez que sur Singapore Airlines, le pont supérieur, ce sont des suites. Chambre, salle de bain. Modification intérieure. Ouais. 600 degrés. Sans voir l'envers dans l'air. Voilà, donc là vous avez... Non, là il roule. Puisqu'il va gagner sa piste de décollage, il avance par le regard 1. Mais regardez, il est en train de tourner derrière nous. Personne à bord. On va relever le contingent français qui est en opération extérieure. Vous voyez, le camembert. Ah, vous vous arrêtez dans l'aéroport, vous demandez à quelqu'un où est le camembert, il vous amènera ici, c'est évident. Tu peux passer là à gauche. Hein. Parce qu'on... Si, si, t'inquiète pas, j'y suis passé déjà hier. À relier certains satellites d'embarquement par l'extérieur. C'est-à-dire passer d'un... Donc nous allons nous... Là, il y a tout le monde. Là, il est... Là, il va partir. Non, il s'est posé, celui-là. Ouais. Par contre, Finnair va décoller. Signalé, il n'y a pas de souci particulier. Personne aussi qui va observer l'avion pendant que le commandant de bord va faire sa checklist, c'est-à-dire actionner les volets, les différents volets. On entend. Ah mais si on ouvre... Ouais, c'est parce qu'on n'a pas ouvert la porte au début de la mise en route. Et donc là, on va bien évidemment... Vous laisserez bien évidemment appareil photo et caméra dans le car. Cela va sans dire. Par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Oh, téléphone, ça va. Ouais, là, il a aussi de faire le calcul d'emport de kérosène. Voilà, Boeing 700. Consultez le document à donner à la compagnie qui a acheté l'avion. Limitation des vols de nuit, je crois que c'est peine perdue. Je crois que c'est peine perdue parce que...
Ça date de 1919, un des personnages.
1er septembre, la météo est favorable. Tout est prêt pour le départ. Et ma petite histoire, Bellon, ah, Guéric, elle est plus petite. Coélisant et puis surtout un cockpit qui est en retard. Parce que le cockpit se trouve à l'étage au moment des démarches. Et pourquoi? Parce que le Boeing 747 a. À partir de 1979. 79. Ils sont forgés. Donc, c'est un bug de. Voilà, donc. Il est énorme. Non, il faut le mettre aux normes. Faut... Oui, mais. Oui, fort. Mais il y a eu des avancées. Il y a énormément de progrès avec, à cause de... Ben tiens, toi. Du côté des Japonais qui sont massacrés les Chinois. Ah ouais. D'ailleurs, on a été en train d'éviter à c'est ça.
On n'est pas drôle là. Alors, il n'y a pas de son, hein. Si. Ah bah tiens. Demande au commandant s'il peut visiter. Mmh. Il dit quoi? Ah ben, comment tu ne te trompes pas de bouton, hein? Ah ben. Thank you.